bonjour. Bonjour. Alors, comment ça s'est passé ce salon? Ben, ça s'est bien passé. Il y a eu pas mal de monde, on a eu pas mal de visites, pas mal de contacts. C'est un salon sympa, bonne ambiance. Bonne ambiance. Alors moi, j'ai vu que vous avez de très, très beaux aquariums. Franchement, c'est un gros coup de cœur. Quels sont les poissons qu'on peut voir aussi? Ben, écoutez, nous, notre magasin est vraiment spécialisé poissons. Donc, on fait que ça comme type d'animaux. Donc, on a vraiment toutes sortes de poissons. On a du poisson d'eau de mer, tous les poissons d'eau douce, donc tout ce qui est exotique, cyclidés, poissons spéciaux. Vous avez pu voir sur notre stand du poisson alligator, de la ruana. Un poisson alligator. Alors, j'ai vu la tortue alligator, toute l'alligator cette année. Alors, il y a le poisson. Ben, c'était un peu le thème des animaux spéciaux du salon. Donc, on a ramené une bête un peu déjà costaud. Ça a des dents? Oui, ça a des dents. Ça mange que de la chair. Hein. C'est vrai? Oui, bien sûr. Donc voilà. Donc, c'est vraiment... Nous, on est vraiment spécialisé, donc vous pouvez trouver tout ce que vous avez besoin. On est aussi spécialisé dans tout ce qui est poisson de bassin. On a vraiment de belles, belles pièces. Et donc on voilà. On a pu voir ça. Et il ne faut pas hésiter à passer nous voir. On a tous les aquariums et je ne sais pas si vous avez une nouveauté. Ah oui, vous avez le fish pas, vous, voilà. Les petits poissons qui mangent des peaux mortes, mais c'est vrai. Voilà, en fait, nous, on fait tout. Comment s'appelle? Attends, excuse-moi, t'interromps, mais comment s'appelle le petit poisson justement qui mange des peaux mortes? Le poisson, c'est du Gararufa, donc il faut savoir que c'est un poisson spécial. C'est le vrai. Qu'on utilise dans les instituts. D'accord. En fait, il va aspirer donc les petites peaux mortes et sécréter une enzyme qui va aider un petit peu au bon fonctionnement de la peau, à la cicatrisation. Et en fait, nous, on a voulu, on va dire, lier l'utile à l'agréable, c'est que nous, on vend des poissons et on fait des bacs sur mesure. Donc, on a voulu faire un kit pour le particulier, je précise bien, parce qu'on ne vend pas aux professionnels. C'est que pour les gens qui ont envie d'avoir une petite détente quotidienne chez eux. Donc, on fait des kits. Ben merci Nicolas, bonne fin de salon et à MC4. Merci, au revoir. Cette fois-ci, on se retrouve au stand des animaleries et il va y avoir une petite interview un peu anglais-français avec Yop qui nous vient d'Australie. How are you? Very good, thank you. And you? How is the fair? Up to now, very good, very good. Very good. Many nice people, many people see many things, so yeah, we are happy to see the show. Ok, thank you. Et on va passer à Yacine. Yacine, comment il se passe le salon? Bah, ça se passe très bien, la foule a répondu présent et tout le monde est content. Je vois que tous les enfants sont contents, ils ont le sourire. Et qu'est-ce qu'on trouve dans un espace animalerie? Bah, dans l'animalerie, on a les poissons, les rongeurs, les oiseaux. Mais là, pendant le salon, eux, ils ont l'avantage de voir des kangourous, des alpagas, qui sont des petits lamas, et de voir des animaux autres qu'ils ont l'habitude de voir dans une animalerie. D'accord, dans c'est Yop qui est expert de alpagas et wallabies. C'est lui qui a fait venir les alpagas à La Réunion, c'est grâce à lui. Ok, thank you. Have a nice journey. Thank you. Ok, see you. Ok, bye. The sun.